Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo découverte du mercredi et on va découvrir ensemble Penkura, donc un jeu qui m'a été offert par le développeur qui est sorti le 19 décembre 2018, donc il n'est pas tout jeune, il est actuellement au prix de 8,19 €, il est en anglais et toujours en early access et il est développé et édité par Lions Art, donc Lions avec S Art tout attaché. Qui est un studio indépendant de deux personnes, ils sont polonais, et c'est un jeu d'action-aventure RPG avec de la construction. Donc on va découvrir ça de suite. Je vais lancer la game, hop, je repose mon petit tuste hein, pour vous donner les infos, et c'est parti. Alors, choose no recode. Ah oui, alors le jeu est en anglais, hein, seule langue disponible actuellement sur le jeu. Alors, on est au. En train de dé... ouais, on est sur le point de démarrer. On est en 0.15 au niveau de la version. Yes, je veux démarrer. Donc j'ai pu rebind mes touches. Au niveau des réglages d'options, c'est plutôt complet. We're late. Passe Two teams Jamie. already went through the singularity to Penkura. Alors, we are late. Donc nous sommes en retard. Deux équipes ont déjà attraper la singularité de Penkura, enfin throw c'est jeter, je sais pas, donc pourquoi maintenant, ou faudra attendre la prochaine escouade, pourquoi maintenant? Unfortunately, you will have to go alone until we find out what exactly happened on the other side. You can't delay any longer. Ok, donc bon, l'anglais, hein, toujours le même problème hein, quand on maîtrise pas parfaitement. Malheureusement, il va falloir y aller seul. Pas retarder plus longtemps. Et till we find out what exactly happened. On doit en fait trouver ce qui s'est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Penkura, on peut demander. Alors vous les gars, vous me payez bien, mais des informations supplémentaires seraient pas mauvaises à obtenir. On va demander la première. 5 days ago, we lost Il y a communication 5 with the jours, nous base avons on the perdu other les side. communications avec la base That de didn't l'autre worry côté. us that much as it's happened before. Yesterday, however, our team received a message that started this entire operation. Hier, Five teams are to be sent to notre Penkura to équipe a reçu investigate un what message qui a happened. démarré We promised l'opération to bring entière. back 5 colony équipes ont été representatives. envoyées à Penkura pour enquêter sur ce qui s'était passé. Ok, quel I don't know. message? Whatever it Il ne was sait that scared pas. the shit out of the higher ups so much that they locked up the entire Quoi Gemini que base. c'était, There's la only a skeleton peur. crew to operate basic functions until we find out what's going on the other side. Besides us, nobody's allowed in. Il a peur que c'était tellement mauvais qu'en fait ils ont fermé la base entière de Gemini. Il y a juste un équipier squelette, un skeleton crew, pour faire les fonctions, pour donc opérer les fonctions basiques jusqu'à ce que nous trouvions quoi. Enfin, jusqu'à ce que nous trouvions ce qui s'est passé de l'autre côté, toujours pareil. Ok. Je crois que personne n'est autorisé à part nous. Hein. Où sont They les already autres went équipes? through the temple. Three more will be sent when they arrive. With this weather, it may take a few more hours. Alors, elles ont déjà Or été envoyées au days. temple. Trois de plus seront envoyés quand ils arriveront. Et avec ce temps, hein, ce mauvais temps, ça va pas pouvoir prendre plusieurs heures supplémentaires ou jours. Hein. Quand est-ce que je recevrai mon Most of équipement? the equipment is already on the other side with your team. Alors, But before you une go, I grosse have to partie de activate l'équipement est your déjà de l'autre VAC. côté, avec les deux équipes. Mais avant ça, tu dois activer ton VAC. You will not Au need des it, armes, but just in on n'a case you pas will see besoin. weaponry on the other side with the equipment. Mais en cas de nécessité, quand même, on en aura de l'autre côté, avec l'équipement. Et donc le VAC pour l'interrogation. VAC. Visual assistance contacts, a piece of the next generation Voilà, bon, la biotech that will désignation, aid hein. every colonist Un for the last assistant 5 years. de contact It will visuel, je sais outline pas quoi. everything you can interact with. Your eyes will need some time to adapt. Just please don't scratch your eyes like the last one. C'est une
une pièce de la génération suivante de biotech hein, qui permet à chaque qui a été donnée à chaque colon depuis les 5 dernières années. Elle est actuellement hors ligne jusqu'à ce que tu interagisses avec. Tes yeux ont besoin de plus de temps pour les utiliser. Donc ne n'abîme pas tes yeux comme le dernier. Ok, je suis prêt à y aller. Donc il va nous monitorer d'ici et avoir un contact constant avec nous jusqu'à ce qu'on soit pas loin de la singularité, enfin je sais pas trop quoi. Ok, donc ça y est, j'ai la main sur mon personnage. Et on va pouvoir enchaîner un peu. Après ce long dialogue, c'est pas un long dialogue mais c'était long à traduire. Alors toutes les missions et le journal, mise à jour, ok. Appuie sur L. Donc l'objectif en cours c'est Into the Void. On doit traverser jusqu'à la singularité de l'autre côté et rencontrer le reste des équipes mercenaires. Ok. On a aussi un inventaire. Donc, voilà notre inventaire et un nombre de slots à première vue ou de pages. On ne sait pas encore. L'équipement de notre personnage. Le bot structure type base. On est un mercenaire. Hein. Ok. De toute façon, on va avancer. On n'a pas d'autre choix que d'aller ici. Ok, c'est automatique. Chef de la sécurité. Donc, il va falloir qu'on s'arrête en premier au bureau d'enregistrement. Voilà, bah, de toute façon, en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. Bienvenue au projet Gemini. Attendez. Join the force. Ouais, les pubs. Alors, étage 2. Tram station. Je pense qu'il faut aller là. The tram will take you directly to the temple. Ok, le tram va nous emmener directement au temple. Ok, tout est automatique, hein, donc juste à entrer dedans et attendre que ça se passe. Donc c'est parti. C'est marqué là, Tram Station 5. C'est plutôt cool, hein. Bien fichu. On est passé là. Oula, c'est bien normal ça. Waouh, ah oui quand même. Donc en fait là on est là, on doit descendre j'imagine. Waouh, pas mal. Et voilà, le temple Gemini. L'objet le plus ancien connu de la planète. Hein. D'accord. Just stand on the pedestal at the back and touch the sphere. Temple will do everything by itself. D'accord. On va attendre, je dois me placer au piédestal, activer la sphère. Le temple fera tout par lui-même, bonne chance. Et bien sûr F, hein, on est bien d'accord. Je le sens pas du tout. Tout va bien. Ah, est-ce que je dois aller au centre? Certainement. Ouais. C'était bien ça. Alors, localisation inconnue, temps inconnu, statut inconnu. Alors, utiliser la flashlight. T.
Effectivement, on est dans de l'eau. On a l'air d'être toujours dans le temple. Donc, journal mis à jour. Into the Void. Alors, enquêtez sur la zone et localisez votre équipe. On n'a pas trop le choix. Hein. Storage 5 et le temple. Ah, est-ce qu'on est dans le passé ou dans le futur? Bonne question. Storage 72. D'accord, on va pouvoir stocker ici. Oxygène 99%. Qu'est-ce que c'est ça? 100%, d'accord. Il y a l'heure qui était traquée à première vue. Hein. Énergie, intégrité. Ah, on peut aller par là. J'avais pas vu. Base 8, 8 ou B. Alors, personnel inconnu détecté. Attention, code 027 est actif. Évacuez tout le personnel. Et vaisseau de transport d'urgence arrive à T-4. Oula. Secteur 7. Manual reset of power plant. Alors c'est là. Mince. Ok, alors c'est pas par là. Attention. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset of power plant 5 is required. Médecine repository. Attention. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset of power plant 5 is required. Alors, attendez. Alors, activation de la puissance. Le panneau central, la principale, est utilisée pour activer les cellules de puissance du générateur principal. D'accord, donc c'est accessible seulement si l'énergie est stable. Donc all power cells are required to be online, donc attention. Ça. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset. Une fois que toutes les cellules de puissance sont en ligne et que la puissance est stable, les conditions de puissance sont stables, on peut activer le générateur principal en utilisant ça donc. Ok, mais du coup attention. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset of power plant 5 is required. Énergie manuelle reset. C'est où ça? Je vois pas ce panneau. Attention. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset of power plant 5 is required. Ah, c'est là. Attention. Detecting power fluctuations in. Okay, ça, ça a l'air bon. Sector 7. Manual reset of power plant 5 is required.
marche pas. Hein. Ouais, il faut faire que je fasse un reset manuel. Detecting power fluctuations in sector 7. Manual reset. Ah, voilà. A power plant 5 is required. Et donc là, ok. Manual reset. Complete, ok. Ah, attention, corruption du neurocore. Resetting security system. Command center. Là, je peux repartir. Command center. Door to command center is now open. Ça doit être là. Je suppose. Command center. Command center, ouais, c'est par là. Alors, catégorie depository 20. Blue, repos. Qu'est-ce que c'est? Oxygen station. D'accord. Unknown personnel. Personnel inconnu détecté. Accessing relevant protocol. C'est le relevant d'un protocole. Alors, une IA. Je suis de la base Gemini, j'ai été envoyé par une équipe de mercenaires en reconnaissance. Scanning. Base director, not found. Scanning. Base personnel, not found. Et il ne reconnaît accessing pas. Logs. Warning, neurocore damage. Accessing backup files. Resetting. Neurocore. To stage 3 personality. Hello. Hello, I'm Sarah. Alors, c'est Sarah, donc la personnalité d'urgence de la base 4. Is on lockdown. You are not la... supposed to be here. L'endroit est fermé. On n'est pas supposé être ici. You are in base 4. Donc on est dans la base 4, à 82 mètres de profondeur, niveau 9 de recherche. What is your purpose here? You are not a member of this facility. Qu'est-ce que tu viens faire ici, grosso modo? Ça doit pas être exactement ça, mais tu n'es pas un membre de cette station. It seems that this will need to wait. This base has been offline for more than 40 years. System power is critically low, and you're quickly utilizing what little oxygen remains. D'accord. Alors d'abord, tu dois me dire ce qui s'est passé ici pour que je suis seul. J'étais supposé rencontrer les autres mercenaires. Oxygen is getting low. I am unable to remove you from the base, as the most recent tremor has collapsed tunnel 39. Drones are en route to clear the area. It will take 75 hours to give you access to the rest of the base. Oxygen will last 9 heures d'oxygène, mais on a 75 heures d'attente pour je sais pas trop quoi. I don't understand, but I can assure you that there is a better option. There are Lazarus bioconverters in the med bay. You must lay in one of them until the drones have given you access to the rest of the base. Access to the med bay is restricted. Find the room of Dr. Yanushkevic. It is in the personal quarters section of this level. Faut que je trouve la pièce du docteur machin là. C'est dans les quartiers, dans la section des quartiers personnels de ce niveau. Hop. Donc voilà, je dois toujours enquêter hein, et je dois trouver la pièce du docteur. Ok, et sinon. Personne. D'accord, on peut alterner comme ça. Access denied. Access denied. Access denied. Access denied. Waouh! Bon, pour l'instant, de toute façon,
Il n'y a pas grand chose qui marche. Générateur 2. Storage 3. Je ne sais pas. On va aller voir les pièces là. Ah bah, j'ai pas accès. J'ai pas accès. Eh ben ça c'est fait. Il y a un bruit bizarre derrière la porte. Ah, cul-de-sac. De repartir par là. Ah. Medbay. Ah. Faut un code. Ah mince. Faut un code. Il n'y a pas un code là qui est donné quelque part. Bah du coup Access to the medbay is restricted. Find the room of Dr. Jan Juszkiewicz. It is in the personal quarters section of this level. Ah, faut pas que j'aille au truc médical, faut que j'aille au truc de des quartiers personnels en fait. Je me suis trompé. Voilà, c'est là en fait. Par là du coup. Docteur Sewerin Reynolds, Los Angeles. Alors, tâche. Ok, fichier. Et message. Journal mis à jour. Alors, utiliser Lazarus et attendre de l'aide. Ah, le code de la porte médicale, c'est 9921. Alors, 9921. Surgery Burek, Lazarus. Mind your tape. Ah. Ok. Bon, pour l'instant, on arrive à avancer. Ça va. Ah, le début est plutôt original. Ah, tu t'es finalement réveillé. J'ai bien peur que le transfert de neuro ait échoué. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu m'as fait? Unable to move you out of the base. There was another earthquake that closed all the exits. Donc j'ai été incapable de bouger, de te bouger hors de la base. Il y a eu un autre tremblement de terre qui a fermé les sorties, toutes les sorties. Et elle nous a relocalisés dans le neurocore.
I was unable to transfer your mind to another vessel before you perished. Ah, elle a pas pu transférer notre esprit à un autre corps avant qu'on périsse, je suis désolé. Donc elle a juste pu, elle a seulement pu transférer notre submind, notre subconscient primaire et sauvegarder quelques heures de notre mémoire. Waouh. Please calm down. Alors, s'il te plaît, calme-toi. Garder le contrôle de toi-même, ton esprit est actuellement, on est dans un état très fragile. Non. Alors, c'est normal. I will set your identification to unknown for now. What is the last thing that you remember? Bah, la dernière chose que je... La dernière chose qu'on se rappelle. Bah ça en fait. Hein. Your recent memory seems to be intact. I need to know if anything else was saved before the shutdown. Do you remember anything related to the past experience that defined your role or who were you? Bah soldat. I updated your profile with this information. It will allow me to gather information about your past, current and future experience. It will allow me to improve future neuroimprints if necessary. Ok. J'avance un standard template, providing you with basic knowledge. Yes, it is a I have limited access to basic systems. I do not have I will guide you. Even with my limited systems, I am still able. Ok donc. On a toujours enquêter sur la zone. Donc on est revenu ici, très bien. Je peux redormir là-dedans? Ouais, je peux redormir là-dedans si je veux. Il n'y a rien dans les containers, hein. C'est complètement vide. Ça s'est fermé. Oh, ça a changé. Alors, attendez, j'ai trouvé des items. Ah, d'accord, on doit gérer notre énergie et nos nutriments. Voilà pourquoi j'ai trouvé des items. Ok. Bon, il y a un petit côté gestion du personnage. Et donc, j'ai 20 slots de disponibles. Oh, d'accord, on peut sortir de la base. Ok, j'ai une demi-heure d'oxygène. De toute façon, j'ai plus une demi-heure de vidéo, hein, donc. Ok, c'est nice ça. C'est joli, hein. C'est très joli. Ah, je peux ramasser ça. D'accord, et ça sert à quoi ça? C'est dommage, on n'a pas d'infos sur les items. Ah si, détail. Alors, délicieux pour les humains et mortel pour les insectes, cette plante est le sucre de du monde botanique. Nutriments gagne 10. Ça a pas l'air de se voir, hein, que je gagne 10 de nutriments. Ça augmente pas. Bon, en tout cas, il y en a plein à ramasser. C'est ça. Oula. Ah, une petite musique très sympa. Il y a des fleurs. Nouvelle localisation découverte. Station de recherche 8. Qu'est-ce que j'ai eu là? Ça pour soigner, très bien. D'accord.
ça extrait de l'or. D'accord. Alors, minerai de métal noble, minerai de métal léger ou lourd, je ne sais plus. Et du cristal polan. Ok, alors après il y a ça. I was able to change the ownership of this unfinished base. For now, this is the only thing I can do without a direct connection to the station. Donc, apparemment, on a construit ça. Donc, ici, on a l'oxygène. Okay. Liquid construction composant, donc des composants de construction liquide. Ça c'est un coffre. Encore un coffre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Prêt pour la production. Équipement. Alors, un scanner multi machin, un outil essentiel. Donc en fait, je peux me faire des crafts. Ça coûte 6000 d'énergie. Il me faut une batterie ST1, un cristal polan raffiné, un électronique basique, je sais pas quoi, et du composant solide de construction. D'accord. Et moi, j'ai eu des composants de construction, mais liquides. Alors, les trucs de construction solide. Ah, il va falloir que j'aille récupérer le métal dehors. D'accord. Comment je transfère? Take all. Voilà. J'avais pas vu la touche. Donc, on y retourne. Si je veux faire cet outil, il me faut deux trucs comme ça. Je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il faut que je stocke là-dedans? Ici. Comment on transfère d'un truc à un autre? Ah voilà. Ok. Là, je peux craft. Donc il m'en faut deux. Le bruit est bizarre. Ensuite, il me faut une batterie ST1. Batterie ST1, c'est ça. Il me faut des cristaux raffinés. Ah, alors ça, les cristaux raffinés, c'est ce symbole. Donc attendez, il m'en faut un pour ici et... Donc il m'en faut 4. Cristaux raffinés. Ah mais j'ai pas assez de... Oh là, ça va être chaud ça. D'accord. Donc on a toute une liste de craft. Donc les composants, les consommables et l'équipement. En armes pour l'instant on n'a rien. Très bien, et donc ici c'est peut-être là où on va apprendre à faire des choses. Ou pas. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Mais bon. Très bien. Donc il me faut des cristaux. Le problème c'est que. Oh, il y a un cycle jour-nuit peut-être, ça s'est assombri. Ouais,
Bah, il en pioche pas souvent, le problème des cristaux, donc très bien. Il y a un aspect construction et gestion à première vue, hein, mais ah, il y a des trucs à récupérer. Ah, solide construction, il y en avait. Ah bah MPS, j'en ai un. J'ai pas, en fait, j'ai pas besoin de le craft. Ok, super. Il y avait tout ici. Bon, c'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Sacha, activer. Prendre le contrôle. Ah, nice. Donc, on a un robot. Distance 250 mètres. Puissance 62%, intégrité 58. Est-ce que j'essaierai pas de le ramener, ce robot? Ah, c'est sympa, ça. On a une espèce de drone. On va le laisser bah, là. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut le renommer, le recharger, le réparer. D'accord. Access denied. Et du coup, il n'y a rien là-dedans. D'accord, alors je sais pas à quoi tu sers, mais ok, on peut stocker à l'intérieur. On a un petit robot. Alors par contre, mon MPS là, équipe. Alors je sais pas où c'est équipé, hein, mais il est équipé. Il scanne. Alors, extracteur d'or, 100%, 100%. D'accord. D'accord. Je vais voir, j'ai vu de la lumière, je vais voir ça. C'est l'entrée de la base, ça. Ah, ah, pressing M. D'accord. Ok. C'était T, la lampe. Donc là, je suis rentré dans un espèce de hangar. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais It's hard to keep track of you when you are in the cave. It appears that walls contain heavy metals that interfere with my scanners. D'accord, elle a du mal à nous repérer parce qu'on. Ok, bah take ball. Hein. Il y avait du métal. Waouh, d'accord. Alors, cette station de communication planétaire est offline. Sans elle, il est impossible de transférer les données d'une station à une autre. On doit trouver le moyen de l'activer.
si nous voulons accéder à tous les systèmes. Ok. Alors, nouvelle. La station de communication, nouvelle chose découverte. Hein. Nouvel endroit. Refresh room. Alors, tâche, fichier, pioter x1 et x2, ça sert à rien. Ah, nice. D'accord. It seems that the communication station is also under lockdown. This makes the entire situation a bit tricky, but there is an alternative way of activating it. Come back to your base and contact me through the Nelro core. Ah, faut que je revienne à ma base et je la contacte par D'accord. Bon. Alors ça m'arrange pas mais ah, attendez parce que la sortie c'est par là donc du coup. La sortie ou l'entrée. Alors il nous reste plus beaucoup de temps hein, pour la découverte les loulous mais on aura un petit peu avancé quand même. Ça a l'air très sympa comme jeu. Ah oui donc j'arrive de par là mais il y avait aussi un chemin par là. Ah oui d'accord. Ouais mais c'est un casse-tête en fait le truc là. Au niveau du chemin à prendre, bon on va prendre le chemin normal. On va pas commencer à farfouiller partout. Elle, la dame elle nous a dit de rentrer pour discuter avec elle. On va pas la contrarier. Et on doit discuter avec elle à partir. Par contre mes nutriments. Ok, 99%. Donc je dois discuter avec elle directement via ça. Alors, ok. Without proper codes, we will have to force sans vos propres codes. By overcharging it. Triggering safety procedures. This will give me a small opening to connect to the station and access as much data as possible. For the moment, I'm fully integrated into the base by Nelro Core uplink, but I also want to survive and find help. Alors, comment je la surcharge? Before we can do that, we will have to create a proper power grid. Everything we need should be at this location, but archives mention of another base. Ah, ok, une autre base locale à l'est. There is more equipment there, but without proper scan, I cannot be certain. Overall, the grid will need to handle 100,000 units of power. Before creating a stable power grid, we require more resources. On a besoin de plus ressources. There may be some resources on a plus de ressources pour nous aider. But we need a stable source of pollen and Zavik crystals before we can. Oui, ça, je suis d'accord. We need them for almost anything power related, but most of all, we need them to create crystallized resources of that type are usually found deep underground. We need to find ore veins and build ore extractors to dig them out from the ground. D'accord. First, we need a multi-purpose wow. scanner. Each command station is equipped with one. Then, we will need to scan the area with the geological scan till we find a second ore vein. Basic data on this location suggest that there should be an unmarked vein close to this location.
Ouais, attends, j'ai pas compris comment on faisait ça, mais donc il faut, on a besoin du scanner multipurpose. Je pense que c'est ce que j'ai. Chaque station en a une. Donc chaque station, en fait, chaque station de commande en est équipée d'un. Donc on a besoin de scanner la zone avec les scans géologiques jusqu'à trouver une veine d'or de minerai second. Un second, ok. Et apparemment, il y en aurait une pas loin. After the scan, you should use the CCC system and build ore extractors on the scan location. It should be marked on the viewport if they were properly scanned. Ore extractors will do the heavy lifting, and after some time, ah, c'est le problème de l'anglais, hein, pour tout bien comprendre, pas évident. Before we can use them, we will need to refine them. Ouais, voilà, il faut les raffiner. Converter or MMC. With refined crystals, we will be. I will monitor your. In every command. Are you sure? Come back to me when you extracted the crystals and create. Bon. Eh ben, c'est pas gagné. Donc je dois trouver un autre endroit avec du minerai. Bah, c'est ce que j'ai compris, hein. Là en fait c'est elle, pardon. Voilà, je dois trouver et scanner une seconde. Hein? Ok. D'accord. On a trois quêtes, trois objectifs. Alors, de nuit, c'est chaud quand même de trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on peut le scanner, tiens. Ici, c'est une zone de d'extraction. Oh. Alors, il est là. D'accord, il est là. Donc à partir du moment où j'en ai trouvé un, qu'est-ce que je dois faire? Ça me valide pas, hein. Je l'ai trouvé, je l'ai scanné, mais... Alors après avoir extrait du cristal de la veine, mais je fais ça comment? Je piche pas en fait. Parce que là, du cristal, bon voilà, j'en ai un petit peu. Mais avec ça, je dois construire Crystallized Construction Component. Crystallized Construction Component. On va regarder, hein. On va finir là-dessus. C'est ça. Ah ouais, mais il faut du cristal de Xavok aussi. Ouais. Donc là, il faut que je transfère ça ici. Par contre, du Xavok cristal, j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas.
Ça, faudra le ranger. Hein. Donc, un extracteur. Est-ce que je peux crafter un extracteur? J'ai pas l'impression. Équipement. Arme, j'ai rien. Pas comment faire. Blueprint repository. On t'accepte du système. Eh ben je sais pas. Les loulous. On a trouvé la zone, mais enfin le scanner me le scanne pas. Moi je trouve pas l'endroit exact, mais ou alors c'est celui-là que je scanne et je suis trop proche. C'est possible ça. On va chercher ailleurs. Hein. Que j'étais trop proche du premier qui est déjà en place. Ah. Ok, journal updated. Donc on en a trouvé un. Mais ok, c'est cool, hein, j'en ai trouvé un. Alors est-ce qu'on me l'indique sur la map? Pas du tout. D'accord. Donc c'est derrière la station, plus ou moins, côté gauche, quand on y fait face. Bah alors l'extracteur, je sais pas comment on le craft. Parce que je vois pas comment je vais extraire le minerai sans l'extracteur. Hein. Ouais, j'en ai pas la moindre idée. Or extraction. Alors changer le mode du MPS en scan géologique. Je sais même pas comment on fait ça. Initier un scan. Okay, when you have reached the highest possible signal intensity, switch the mode of your MPS to multi-layer scan. Conduct a scan of the ground below you. It will mark the area around for the CCC and present them. D'accord. Ah, et donc je peux informer les leaders de la colonie que je peux maintenant utiliser le CCC localisé dans le command center pour construire. D'accord. Bon, ça je suis d'accord avec ça, mais D'accord. Ah, il me faut du liquide de construction. Liquide de... D'accord. Ok, 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 je commence à comprendre. Ok, on a un système de gestion du... Ok, d'accodac. Alors par contre, il me faut du liquide de... Liquide, 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 j'ai du solide. Ah, j'en ai 5 et 5. Hein. Alors comment je fais pour utiliser ça?
Parce qu'en fait, je les ai sur moi. Alors, connect to base construction system. Pour construire ça. Ok, alors à première vue, je l'ai mis en place. Ah, ça se construit. Ah. Par contre, il doit pas avoir les compos pour pouvoir le faire. Comment je lui donne les compos? Bonne question. Je les ai sur moi, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, je dois certainement devoir les poser quelque part, mais... Ah, c'est là-dedans. Il vient de les prendre. Ah, j'aurais tellement voulu voir la construction. Ah, ça y est, il est en train de le faire. Ok, j'ai pigé le truc. Ah, c'est génial. Et il repart. Et a déjà commencé à extraire. Ah bah, ça traîne pas. Par contre, là, pour l'instant, il nous trouve toujours les métaux normaux. Hein. C'est pas ce qu'il nous faut. Moi, il me faut du cristal, là. Le lot de cristal, le petit de cristal. Hein, normalement, dans ce... Voilà. Il me faut de celui-ci. Eh bien d'accord, et quand j'aurai la quantité suffisante, je vais pouvoir commencer à craft mes deux items qu'on m'a demandé. Ok. Donc bah les loulous, c'est plutôt sympa. Il y a un petit côté survie avec le fait qu'on doit gérer, bon vite fait, hein, nos jauges de nutriments et notre énergie, ainsi que notre oxygène. Une gestion de base, donc la gestion de base avec de la construction de d'équipement et de ressources et via de la gestion de ressources hein, pour améliorer nos choses. Donc il y a du craft de consommables et d'éléments. Apparemment il y aurait peut-être de la recherche de blueprint ou je sais pas trop encore ça comment ça va fonctionner. Et si quand on est en mode construction, donc via ces terminaux là-bas, on peut mettre les compos ici pour que notre drone aille faire les constructions pour nous. C'est plutôt nice. Bah, petite découverte plutôt sympa. Alors j'y aurais passé quasiment une heure, j'ai pas vu le temps filer. Moi en tout cas les loups, je vais m'arrêter là. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.